Bonjour tout le monde, bonjour hello, tout le monde. hello, hello. On espère que vous allez bien, vous êtes chaud pour un nouveau Sandeck. Aujourd'hui, on va vous présenter un super deck CRA ouais. de ta création. Oui, c'est un deck que j'avais envie de jouer beaucoup de portée et c'est un deck qui est pas complètement opti, mais qui tourne pas trop mal actuellement et c'est quasiment que du full CRA. On a donc beaucoup de verts. De CRA avec de la portée, notamment. Exactement. C'est un deck qui va jouer beaucoup sur des petits dégâts au Dofus. Un peu de blast, évidemment, pour fracasser ce qu'il y a en face. Mais on a pas mal de CRA qui vont pouvoir jouer, évidemment, avec les mosquitos, avec la larve verte. On a un Moon pour booster éventuellement nos clarabines si elles arrivent à porter. J'ai fait une clarabine 7-1 hier. Ouais, ça fait vite mal. Le As qui est très facile à utiliser. Mmh. On enregistre. Alors aujourd'hui, on va un peu spoil. Hein. Oui, aujourd'hui, on va spoil pas un se peu mentir. En termes d'équilibrage. On va vous parler équilibrage. On va vous spoil quelques cartes. Je vois Soris qui dit nerf Adama et Jash. Mmh. Et en effet, depuis tout à l'heure, on parle que des nerfs. Mais il y a aussi pas mal de up qui vont arriver. Dans la mise à jour qui arrive très prochainement. Donc on va faire un peu de nerf, parce que forcément on fait un petit peu de nerf, mais on va surtout EP plein de choses, et on va commencer par EP, et bien EP des classes. Tu veux donner les noms ? Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Non, on va pas donner. Peut-être on lâchera un ou deux indices après, on mais. On lâchera des indices. Bon, en fait, on est en train de booster très sincèrement nos créatures, nos invocations de classe. Voilà, parce qu'effectivement, on en parle dans un des blogs qui sort très bientôt. Également, qui voilà. Sortira avant le patch, donc voilà. Vous en saurez plus sur la mécanique de réflexion, etc. Oui, mais on veut vraiment booster nos invocations de classe pour ne pas se retrouver avec un pool de cartes neutres qui est omniprésent. Hé, Totomai. Alors, y a, c'est le 3, ça, non? Ouais. C'est-à-dire que tout le monde va se changer, là? Attends, repasse. Tu peux repasser au-dessus? Ah non, c'est celle qui se transforme, c'est pas le 3. Eh ben, moi, je vais faire... Je vais déjà lui péter 2 Dofus, hop, c'est réglé, pim. Voilà, histoire de voir ce qu'on a. Ah, un vrai, et... Si on a déjà gagné, ce serait magnifique. On n'aurait jamais fait une partie aussi rapide. Ah bon, voilà. Le deck fonctionne très très bien. Très très bien. Bon ben voilà, j'ai pas eu le temps de lui envoyer une petite emote de remerciement. Voilà la decklist. Qui a changé, hein, je le rappelle. La decklist qui a changé. Il y a eu quelques changements, mais après, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Cra. Pronostic, marqueur, transforme les invokes dans votre camp en marcassin. Non. Non, perdu. Touchez pas aux cartes cosmic. Perdu. Ripé, brodeuse et majeure. Gagné ? Pas rip. Enfin, ça dépend des versions. Buff de arachnoplasme, c'est quoi ça ? Pas tout de suite. On n'a pas buff de carte neutre. Peut-être que je peux mettre ça là ? Pourquoi faire ? Pour défendre, on s'en fout. On attaque. Il faut que je défonce ça. Hein. Allez, on va piocher. Toi, t'es un mec comme ça, d'accord, ok. Attends, on lui a déjà pris un vrai ? Ouais, alors je te Attends, on lui a déjà pris un vrai. Oui, il a pris un vrai. Ah non, il nous a pris un vrai. Oui, c'est lui. Donc, tu peux nous le faire reculer déjà, ce méchant lapin ? Là, le méchant lapin ? Ouais, tu nous fais reculer. Oui, c'est bien là. Allez, hop. Là. Tu peux montrer un fou, c'est cool celui-là, comme ça, je sais pas. Ça peut faire 4 de dégâts, c'est pas mal. Et ce qui serait bien, c'est que notre héroïne, elle meurt pas tout de suite. Elle ? Notre héroïne. Elle ? Notre héroïne, elle. Voilà. Oui, tout à fait. Vas-y, t'as plus beaucoup de temps. Ah, tu veux que je mette des PA ? Ouais, tu veux que tu mettes des PA, que tu mettes un orbe. Voilà. Allez, on met un orbe. Allez. Puis... On dit un orbe, évidemment. Les dames découvrent le jeu. Alors non, c'est juste que je ne joue pas beaucoup... Je ne joue pas beaucoup CRA. On continue de mettre la pression. Ouais, on met la pression. On est dingue. On met la pression. Je compte. Du coup, là, on a un bon gros 8-3, là. Criblage sur la créa, j'ai eu peur, quoi. Alors, le marquin, le but n'est pas de le rendre useless. On peut peut-être dire ce qu'on a envie de faire. Oui, bah, le marquin, pour le moment, on est sur... Il a 7 PA. Il a 7 PA au lieu de 5. Voilà. Voilà. Voilà pour l'instant ce qui est prévu pour le marquin. Pour l'instant, encore une fois, c'est... Oui, c'est, on réfléchit, on est des gens comme ça, nous, on aime bien réfléchir. Alors, allez-vous changer Flopin et Rupus ? Tu veux mettre Joker. Du coup, on est sur un Joker. Mais malheureusement, pour le pauvre... C'est là où plays au criblage. Alors, criblage de Printaway qui nous a dit de le mettre. Ouais, mais c'est sûr. Et du coup, ça carry. Voilà. Ça carry. Tu fais une petite émote avant, parce qu'on est gentil. On fait des petits bisous. Voilà. Et on va lui dire, chérie, tu m'as manqué, moi je t'aurai.
Et hop, c'est parti. On fait un kill au criblage. Eh, pas mal, hein. Pas mal. Alors, le deck cancer Salida avec GH3, puissance demande 3, puissance élevée, va-t-il être touché? Il y a de grandes chances, oui. Mais pas de spoil, pas de spoil, mais oui. Y a... Pas de spoil. Alors, c'est-à-dire que là, dans notre main actuellement, il y a une des cartes qui va être modifiée. Ouais, très c'est certainement Pâtis Cerise. C'est Pâtis Cerise, je pense. Je pense que c'est Pâtis Cerise. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on. Moi, je vais laisser le faux, j'en ai rien à fiche. Non. Ah, non. Je peux faire un as. Je suis pas d'accord avec toi. Je peux faire. Tu veux as? Moi, je suis pour un as. Bof. Ouais, c'est cher payé, tu penses? Ou alors une flèche explose, une explo. Alors attendez, on peut demander au chat. Bon, le chat, allez-y, on a 30 secondes. Qu'est-ce qu'on joue? Allez-y. Essayez d'être clair dans votre commentaire et essayez de le faire rapidement. Ouais. Ça peut être bien. Explo, ils veulent explo. Moi, je vais faire un TD. Ah non, mais ils veulent explo. Ils veulent explo. Bah oui, d'accord, pour l'explo. On explo la petite. Voilà, et on va feinter. On va faire ce qui s'appelle une grosse feinte. Ah mon dieu, on défend notre defus avec tout ce qu'on a. C'est vraiment moche ce que t'es en train de faire. Harcèlement. En attendant, on se fait quand même clean sur le bon, jeu. Tu peux tout de suite poser As. On pose As? On prend deux Dofus. Et tu prends le PA. On prend le PA. Ouais. Allez, hop. C'est merveilleux, c'est gagné. J'ai dit le logo. Alors, on va tirer quelqu'un d'autre. Et bim. Il a dit merci. Et d'un. Oh, sachant qu'on a un mosquito. En plus, il suit le stream, il est content. Bon, bah, je suis absolument désolé, Kikor76, c'est vraiment pas de bol, c'est complètement du bol. Ce deck marche assez bien. Quand il marche pas tout le temps, il marche pas contre tout, mais. On va bientôt monter en 20. Sachant qu'on en prendra le tour d'après avec le mosquito. Tellement express. Alors, je vais pas vous spoiler sans maîtriser, mais il y a de la crosse finie de sacrière, commence à faire plaisir. Pas tout spoil. Vous en saurez plus. Il y a dos. Vous en saurez plus très bientôt. Je vous dis mi-septembre, même un petit peu avant. Un petit peu avant mi-septembre. Je sais pas. Vous allez avoir des news, notamment la semaine prochaine. Vous pouvez vous attendre à un. Je peux poser un crâne. Vous pouvez vous attendre à un dev blog la semaine prochaine. Voilà pour, ah bon pour les. Le dev blog qu'il est censé écrire, là, actuellement, il bosse dessus ardemment. Je passe tout. Une date pour jouer sur le serveur bêta. Le serveur bêta ne sera pas disponible à cette mise à jour. Mais on y réfléchit pour les prochaines. Voilà. Mmh. C'est ça le message? C'est ça, je crois. C'est ça le message. Il me semble. On y réfléchit pour les prochaines. Si j'ai pas compris. Mais encore une fois, ça rajoute du délai. Il faut quand même en être conscient. Même si en effet, ça permet d'avoir une image plus qualitative parce que vous avez pu tester et faire vos retours. Et qu'avec tous vos tests, on est plus efficace qu'avec. Là, on va aller assez vite, en fait. On va accélérer la chose. Là, on va accélérer. Voilà. Donc, ça va vite, ça va être cool. Mais pour la prochaine, c'est envisageable. Je ne vous dis pas que c'est fait, mais c'est envisageable. Il veut vraiment défendre, visiblement. Bah, on va lui laisser. Est-ce qu'on lui laisse complètement Le truc, c'est que, en fait, tu pourrais faire Lucifer. Je pourrais le tuer et poser Lucifer. Non, mais tu fais Lucifer, du coup, il gagne un d'attaque. Ouais, mais c'est lui qui. C'est notre ami qui va mourir d'abord. C'est pas très grave. Je vais faire avec la rabine. Je vais faire ça bien. C'est-à-dire qu'en gros. Il va passer à 5. Je vais bouger de ligne ou quoi? Non. Je pense que t'as juste à mettre, le dégât de la Clara. Attends, tu mets la Clarabine sur la L1. Mm-hmm. Tu mets le dégât de la Clarabine sur la L3. Mm-hmm. Et après, tu mets ta Lucifer où tu veux. Et c'est bon, tu trades de tout, en fait. Mm-hmm. Non. Ouais, mais en fait, ton crabe va mourir dessus, c'est bien ça, parce qu'il va passer à 5 attaques, et après, je mettrai à la Lucifer. Et... En fait, là, non. Si, regarde. Hop, pim, pam, poum. Voilà. Bah ouais, t'as raté un truc. J'ai raté quoi? C'est que le fantôme crabe va mourir avant. Mais je pouvais pas le tuer. Bah, mais du coup, tu as pas trade. Si, c'est bien, ton. C'est pas grave, j'ai un mosquito, regarde, on va le tuer, puis on va. Non, mais. Puis j'ai des fléaux, j'ai du harcèlement. Voilà. Voilà, on est. Bah non. Tu as complètement raté, Shai. Ah oui, j'ai pas regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ah mince, il est mort avant. Oui. Il est mort avant. J'ai pas compté mon ordre. Bah, je me moquais. J'ai fait là 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 là. Je fais la moque. C'est pas grave. C'est je pas propose grave. Qu'on te retire la souris. Non. Je parle. J'ai retire la souris en même temps. Non. Des questions. Regarde. C'est vrai. Ils sont énervés dans le chat à cause de toi. C'est vrai que c'était un peu la honte. Ils mettent des fesses pâles et tout. Ouais, ils peuvent se moquer. Je me moquais de toi sur l'ordre du truc, je fais n'importe quoi.
C'était pas malin, c'était absolument pas malin. Non, c'est pas malin. Ouais, la souris. On gagne. On gagne là-dessus. On gagne sur un harcèlement. Est-ce qu'on... On gagne sur un harcèlement. Ouais, juste faire ça. Mais non, c'est un faux. Ah, t'es vraiment dans le doute. Non, mais c'est pour le principe, on rigole et tout. Okay, harcèlement, rigole. Je peux le claquer. Allez, harcèlement, harcèlement. Moi, je pense que c'est fort, harcèlement. C'est pas grave, quoi. Bah, si on gagne sur ça, c'est beau jeu. Oh, pas sur ça, du coup. Non. Oh non! Mais c'est pas grave, on est une criblante, on s'en fout. Regardez bien, on est une criblante. C'est un échec. Alors moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est que tu mettes une de nos créas et que tu la criblantes. Tu créas. Allez, soyons fous, on fait vraiment les. On va cribler nos propres. Propre. Ah non, je suis en train de faire n'importe quoi là. N'importe quoi. Criblante, on va en finir. On va en finir. Je suis en train de. Exactement, Naël, c'était des misplays monstrueux, mais c'est parce qu'on regarde pas vraiment, ouais, vraiment l'écran pas, de jeu. On, hein. On peut relancer, on va refaire une dernière partie, je pense. Voilà, c'est Nedab qui joue. C'est Nedab qui joue, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Chat, il peut continuer de spoil et de parler tranquillement. Alors, Julie Turgen, c'est bien, je viens de la poule. Julie Turgen, actuellement, on va pas se mentir, aujourd'hui, c'est pas super auto-inclus. Mais, on va être très franc. Mais d'ici un mois et demi, il y a... Il y a un moyen qu'elle ait retrouvé une place. J'aime bien, mais on va pas se mentir, c'est pas auto-inclus. Ouais. En fait, on voudrait aussi. Je sais pas si l'annonce. On va encore dire des choses. Hop, le câble et Nimbos. C'est ça que vous voulez dire? Non, on pense qu'on va nerfer le Bernardo. Mais on est en train de se faire éclater. Il a encore soigné. C'est pas possible. Ah, tiens, il l'a eu au chasseur sans. Ouais, il nous met la pression quand même. Oh là là, non, mais depuis tout à l'heure, je suis en sueur. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est l'enfer. Bien je vais pas te mentir, c'est très très difficile depuis tout à l'heure. Pas du tout, c'est bon. C'est très bon. C'est doux, c'est-à-dire qu'on prend. On prend, quoi. Ouais. Ce match se passe beaucoup mieux qu'avant. On a repris la tempo. C'est bon. Cavalier 5 PA. T'as spoil le cavalier? J'ai pas dit ce qui s'est passé. Il prend un coup dans le moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il passe à 2 PA. Il passe à 2 PA, il devient 6-6. Cet adversaire joue très lentement. Dit-il quoi? Il va lancer spammer les ZZZ. Oh! Ah bah c'est très bien, c'est parfait! Ouais, c'est pas du tout parfait! C'est complètement parfait! Tu vas pouvoir faire. Bien sûr, tu as l'herbe verte. Alors, malheureusement, tu risques de passer de l'autre côté, mais bon, tant pis. Hein. Non, t'as pas le choix. Si je passe là, je pleure. Après, t'aurais pu Moon, tout ça. Bah oui, c'est la vie. Je sais pas. Ça me déprime. Bah moi, il est très bien quand même. Ouais. Pour le moment, laisse. On parle pas du cavalier, tu veux pas spoil? Tu peux pas? Je peux le continuer pas. Il est intransigeant. Je peux le continuer pas. Non, mais c'est non, mais ça se trouve, en plus, quand on est en train de parler, tout il est fait. Non, pas le cavalier, on change autrement. Il a vraiment pas eu de chance, le mec. Oh là là. C'est bon, on l'arrête. On l'arrête tout juste. Il faut pas qu'il refasse un nouveau lancer de dés. C'est bon. Bon, ça, c'est un vrai. Bon, on sait pas. C'est pas vraiment. On suppute. Yes! Nous récupérons encore Chama Chabia. Alors là, tu sais quoi faire. Hein. Ouais, là, à mon avis, ouais. Ensuite, on remonte Adamaï, le Chacha. Bien sûr. On remonte le Chacha. Oui. Maintenant, faut qu'on défende. Faut qu'on défende là. Oui, bien sûr, mais voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Et tu poses ta Chama. Ma 8ème Chama Chabia. Aujourd'hui. Hop, c'est fini. Bien joué, tout Pikachu. Normalement, il. Non, attends. Ouais, bah pose ta Baccarat, histoire de rigoler, mais. Flashimo. Ouais. Allez, avance, pose ta Baccarat. Tu penses? Oui. Où tu veux. C'est très difficile ce qui est en train de se passer. Je suis en train de. On va perdre, hein, les gens. Ah, voilà, on a perdu, hein, très clairement. C'est pas ça? T'es vachement négatif. Moi, je suis vachement pas négatif comme mec. Allez. Oh, harcèlement! On a gagné! Si on a harcèlement, on a gagné! Un vrai. C'est vrai! Bah ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, bah très bien! En fait, à mon avis, c'est un vrai ici. Là. Oh, bah il y a des chances. À mon avis, ça, c'est un vrai. Ah bah il y a des grandes chances. Ouais. Moi qui bluffe complètement. Bluffe Martin. Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce qu'on. Ah oui, bah il commence! C'est le début de la fin! Peut-être qu'il va faire sur l'autre. Ah non, il a pas mis ce clic. Est-ce qu'on. Ouais. Ah bah voilà. On tente? Bah oui, bien sûr, t'y vas. Après, peut-être qu'il se fout de notre gueule pour pouvoir placer. Bluffe, ouais, c'est possible. Qu'il bluffe jusqu'au bout. Flèche tempête. Ça aurait été tellement horrible.
Alors. Est-ce que les infinites vont être nerfs? Oui, des infinites qui vont être nerfs. C'est une honte. C'est bravo. Merci en tout cas pour vos questions, pour votre support. Ouais. Et d'avoir été là pour suivre ce Sandec. Si vous avez plus de questions et des remarques à faire et plus d'interrogations, je vous invite à les poser sur Twitter, Discord ou le Facebook. Et puis, on espère que ça vous a plu, encore une fois. Et puis, on vous souhaite du coup une bonne soirée, bon tournoi à ceux qui le font. Mm. Et puis, à très bientôt. Oui, merci à tous. Bye bye. Ciao, bye.